Vous recherchez une machine à laver, vous ne savez pas trop laquelle choisir? Et bien dans cette vidéo, je vous propose les 3 meilleures machines à laver. Et avant de commencer, sachez que vous retrouverez tous les liens de chacune des machines à laver en description de la vidéo pour en savoir plus. Alors c'est parti pour la première de cette sélection. Il s'agit d'une machine à laver de la marque Samsung. Et celle-ci, c'est la série 5. Le premier caractéristique de cette machine, qui va être vraiment un gros point fort, ça va être la technologie AD Wash. Alors je vais vous expliquer. En gros, avec cette technologie, vous allez pouvoir ajouter du linge ou alors des produits, si vous avez oublié un produit par exemple, même si le cycle a déjà été démarré, donc le cycle de lavage, sans avoir besoin de vider l'eau du tambour. C'est vraiment très pratique. On a également la technologie Eco Bubble. C'est une technologie en fait qui mélange de l'eau et de la lessive avec l'air pour créer une mousse qui pénètre plus rapidement dans les vêtements, ce qui permet de protéger les habits du frottement et ainsi avoir un lavage ultra efficace. Il est doté également de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il va analyser vos habitudes de lavage, il va tout simplement venir vous suggérer des programmes adaptés en fonction des conditions météorologiques et du type de lessive que vous souhaitez y mettre à l'intérieur, rendant donc votre vie plus facile. On pourra également le contrôler à distance grâce à son smartphone. L'avantage, c'est que là, vous pouvez partir par exemple au boulot et lancer ou mettre en pause un cycle, choisir un programme, ajuster la température, le tout où que vous soyez. Donc par exemple, vous revenez un petit peu du boulot, vous voulez le lancer avant de partir du boulot, eh bien vous le faites, au moins vous arrivez chez vous, la machine est finie, il manque plus qu'à étendre le linge. Et on a également un programme vapeur. Alors je vais vous expliquer. La vapeur en fait est générée depuis le bas du tambour et elle va permettre d'éliminer jusqu'à 99,9% des bactéries responsables notamment d'allergies, c'est le cas des acariens. L'avantage, c'est que ça ne va pas abîmer les tissus étant donné que la température ne sera pas non plus trop élevée. Et c'est un moteur à inverter qu'ils appellent. Il fonctionne en fait avec des aimants, ce qui réduit les frottements, économise de l'énergie et améliore l'efficacité. Et le tout donc a une garantie de 10 ans. Donc c'est une très très bonne machine avec une capacité de 9 kg. Vitesse de rotation 1400 tours par minute. C'est plutôt pratique pour essorer le linge à la fin. Et un poids de 69 kg pour cette machine. Une fois installée, elle ne va pas bouger. Voilà donc une très très bonne machine, très bien notée. 4,5 étoiles sur 5 pour 130 évaluations. Des clients qui la recommandent. Donc franchement, si vous n'avez pas trop d'idées, eh bien la numéro 1 a d'excellents avantages. Allez, je vous propose que l'on passe à la numéro 2 de cette sélection. Si vous n'avez pas un gros budget d'ailleurs, restez bien attentif car le numéro 3 sera la moins chère. En numéro 2, je vous laisse découvrir le lave-linge de la marque Shift. Ici également aura de très très bonnes performances. Déjà, il sera économe en énergie avec un moteur inverseur silencieux qui offrira 16 cycles de lavage. Si vous voulez par exemple laver de gros habits, soit des couettes, des vêtements délicats, des tenues de sport, de la laine ou alors autre chose, ce lave-linge donc va vraiment tout gérer. Alors vous pouvez voir qu'il est quand même assez fin comme lave-linge, il n'est pas trop encombrant. Avec des dimensions de 600 x 520 x 847 mm, j'ai dû le dire en centimètres, ça aurait été plus facile. Bref, ça va être un lave-linge frontal de 8 kg. Qui va être conçu donc pour vraiment les espaces restreints, les petits espaces. Il conviendra en tout cas parfaitement pour les petites maisons, les petits appartements, des résidences secondaires, pourquoi pas. On a également la fonction vapeur et auto-nettoyage. La fonction vapeur, donc vous l'aurez compris, elle élimine rapidement les plis et également nettoie en profondeur la saleté et les odeurs. Et la fonction auto-nettoyante, en fait, elle va permettre de rafraîchir le tambour, assurant ainsi un lavage plus propre. Et les cycles de lavage donc sont économes en énergie. En tout cas, elle a été conçue avec la technologie Height Energy Efficiency pour réduire les coûts de fonctionnement tout en préservant la propreté de vos vêtements. Donc ça sera vraiment idéal si vous voulez économiser sur les factures d'électricité car celui-ci consommera très peu. Il a une garantie du moteur de 24 mois. Je ne vous l'ai pas dit, il est quand même assez silencieux également. Et vous l'aurez compris, donc il est compact pour petite maison ou alors appartement. Il sera donc parfait. Je vous laisse regarder les avis clients par vous-même. Je vous propose que l'on passe au numéro 3 de cette sélection. Au niveau des caractéristiques clés, c'est un lave-linge en pose libre. Cela signifie que ce lave-linge peut être placé où vous le souhaitez sans nécessité d'installation spéciale. Donc voilà, il est très simple à installer. On a également un chargement frontal au niveau du hublot pour faciliter le chargement et le déchargement de vos vêtements. Donc ça reste très simple. La capacité est de 9 kg, idéal pour les familles nombreuses avec des grosses charges de linge. Vous faites la lessive une fois par semaine, voire un peu plus. Au niveau de la vitesse d'essorage, on sera sur du 1400 tours par minute. Donc c'est à peu près ça en général. Ça permet donc de, voilà, de venir essorer rapidement et de façon efficace les vêtements avant de venir les faire sécher, réduisant ainsi le temps de séchage. On a également la technologie Aqua Wow. Vous m'excuserez pour mon accent catastrophique. Bref, c'est en fait les alvéoles du tambour qui vont faciliter le glissement du textile, préservant ainsi la qualité de vos vêtements. On peut également venir le programmer jusqu'à 19h à l'avance pour l'adapter à votre emploi du temps. Voilà, vous pouvez ensuite gérer tout ça.
Et le niveau sonore, donc, sera quand même assez silencieux pour une machine à laver. 75 décibels. Il est vrai que c'est toujours un petit peu chiant dès que ça fait du bruit. Mais voilà, donc là, ça sera pas trop le cas. Il sera également économe en énergie. Donc, on est sur une classe énergétique B tout en fournissant un, un lavage efficace. Au niveau des dimensions, on sera sur 84 x 60 x 64 cm. Il est quand même assez compact. Un poids de 71 kg. Alors, au niveau des technologies et des options de lavage, on va faire rapide. Mais vous pouvez varier la température de 20 à 90 degrés. On a également plusieurs programmes suivant le textile que vous pouvez y mettre à l'intérieur. La possibilité de programmer, donc ça je l'ai déjà dit. Voilà, donc elle est quand même assez complète celle-ci également. Et ça sera la moins chère de cette sélection. Donc si vous n'avez pas un gros budget consacré, eh bien je pense qu'elle peut fortement vous intéresser. Ça sera la Beko, la numéro 3. Car comme je l'ai dit, vous avez tous les liens en description de la vidéo pour en savoir plus. Si jamais vous souhaitez en commander une ou alors voir plus d'avis clients, en espérant que cette vidéo vous soit utile, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air si c'est le cas, à commenter, à me dire celle que vous avez choisie. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!